Bon, une petite parenthèse quand même. Je vais mettre une vidéo à part pour dire ce que j'allais dire. Je vous préviens, ok? Ma copine est enceinte de mon deuxième enfant. Donc, comme je ne suis pas vacciné, je ne suis pas vacciné, j'ai pas envie de faire de tests, etc., etc. Parce que bah, chacun a son opinion, chacun fait ce qu'il veut. Ne venez pas rapporter votre haine tout simplement parce que je ne suis pas vacciné et j'ai pas envie de faire de tests, etc., etc. Chacun fait ce qu'il veut. On va pas se dissocier à cause de ces conneries, ok? Ça marche, pour moi c'est des conneries. Chacun croit ce qu'il a envie. Bref, les gens se vaccinent parce qu'ils en ont envie, les gens se vaccinent parce que c'est tout à fait normal. Ils font ce qu'ils veulent, ils ont peur, c'est normal, c'est tout à fait normal vu les périodes qu'on vit depuis 2 ans. C'est tout à fait logique, mais je préfère vous préciser tout simplement que pendant peut-être 3 à 5 jours, voire plus, je serai peut-être pas présent. Je ferai des montages, je ferai des rediffusions que j'ai encore à mettre parce que j'ai encore au moins une cinquantaine de vidéos de prêtes à mettre à l'avance. C'est pour ça qu'il y a des décalages avec le live parce que j'aide ma copine, etc. Et elle est enceinte. Donc du coup, son terme est prévu pour mars. Mais ça se pourrait qu'elle accouche avant. Donc ça se peut qu'elle accouche demain, ça se peut qu'elle accouche dans une semaine, ça se peut qu'elle accouche dans 2 semaines, ça se peut qu'elle accouche dans 3 semaines. Donc le truc, c'est que du coup, comme elle accouche bientôt, ça se peut que dans 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, pendant 3 à 5 jours, je ne pourrai plus faire de contenu sur ma chaîne YouTube, tout simplement parce que je vais devoir garder ma fille, m'occuper de ma fille le temps que ma copine s'en remette et gérer le petit avec elle. Donc, ne vous en faites pas, sur ma chaîne, il y aura toujours du contenu en moins 2 à 3 vidéos par jour ou tous les 2 jours. Mais les lives seront moins présents. Pour l'instant, comme d'habitude, je continue à faire mes lives l'après-midi de 13h à 19h et de 21h à pas d'heure. Si je ne fais pas l'après-midi, je ferai au soir. Si je ne fais pas au soir, je ferai l'après-midi. C'est vu ma disponibilité. Et comme ma copine, je vous l'ai dit, elle est enceinte, elle a des difficultés, elle a 1 mois du terme. Il faut que je sois là quand même pour elle, si vous voyez ce que je veux dire. Merci de votre compréhension. C'est une petite vidéo courte que j'ai fait pendant un live. Je fais des lives, je vous le rappelle. Donc du coup, c'est une petite vidéo pour vous avertir, pour pas que vous me disiez « Oh, bah, c'est bizarre, tu fais plein de vidéos et d'un coup, pouf, t'es plus là. » Je trouve ça important de le dire.